Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous montre l'installation de mes rappels de clignotants sur mes valises. Je me lance dans les rallonges de câbles sans tester les fils avant. Je me dis, le fil rouge, c'est le feu stop, le fil bleu, c'est pour les clignotants, et le fil noir, c'est pour la masse. Bon, bah c'était sans compter sur les doigts de l'emmerdement maximum, je vous laisse regarder la suite.
ici. Pour que mes câbles sortent à peu près au niveau de la barre. Donc je vais percer là. Le feu est positionné. Là, j'ai vissé ici. J'ai le câble voilà, qui passe là, dans le fond. Ensuite, il passe dans le petit trou qui est ici. Il sort là. Alors, on le voit sortir de là. Je le fais passer sous la patte ici. Et là, ensuite, je l'ai fait passer sous le fender. Là. Et il remonte là. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à mettre ma prise ici pour pouvoir le raccorder ici. Bon, bah, j'installe la petite prise là. Faut pas que je les perde, sinon je suis mal. Alors, je viens de brancher le clignotant droit, enfin le clignotant feu stop. Donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Hein. Là, j'ai mon feu de position, mais c'est normal que j'ai rien du tout. Alors, clignotant. Oui! Par contre, dis donc, ça va pas. C'est le rouge, là, qui clignote. Merde. Alors, tac. Faut que j'inverse des câbles. Et feu stop. Ah bah oui, le feu stop, c'est l'orange. Ah la merde! En fait, c'est l'inverse, moi, que je veux. Ok, super. Feu stop et clignot sont inversés. Bon, bah, il faut que j'inverse les deux connectiques. Au moins, je vais pas me planter pour le deuxième. Allez, c'est parti. Ça claque, hein. C'est canon. C'est top. C'est exactement l'idée que je m'en faisais. C'est vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, abonne-toi si c'est pas déjà fait, laisse-moi un commentaire pour me dire si cette vidéo t'a plu, et je te dis à très bientôt. Allez, ciao !